Bonsoir. Bonsoir. Je veux voir le commissaire. Il est là. Vous dites ? Elle cherche Godlove. Non, il s'appelle Saboul. Maman, il n'est pas là. Revenez après. Ok. Allô? Salut, Monsieur Maniben. C'est moi, Ngonda. Ah oui. On avait rendez-vous aujourd'hui et vous devez m'appeler pour confirmation. Ah bon? Ok. Dès que vous vous libérez, comme vous dites. Je vais nulle part. Ok. C'est vous que j'attends. Merci, monsieur. Ok, à plus. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon officier. C'est vous qui étiez sur le terrain l'autre jour? Oui, c'est moi. Je suis Tekam, le représentant des camionneurs. Avec tout le respect que je vous dois, nous en avons déjà marre. Marre du comportement de vos collègues. Raison pour laquelle j'ai décidé de rencontrer le commissaire. Celui-là, il ne peut rien faire pour vous. S'il te plaît. C'est lui qui nous envoie sur le terrain. Et à chaque descente, nous lui rendons compte. Il se plaint même que la collecte est insuffisante et menace. Il pense que cet argent qu'on lui donne entre dans quel compte? Laisse. Je veux vous orienter quelque part. Eux au moins, ils pourront vous écouter. Vous me rappelez ce numéro. Ok. Je suis l'officier principal d'ICAM. Le plus gradé de ce poste. Vous pouvez compter sur moi. Allez-y. À très bientôt. Merci. Allô? Oui, papa, c'est moi. Papa, tu nous manques. Tu vas rentrer aujourd'hui? Papa, mon agent de semaine est fini et il faut payer ma scolarité. Quand, papa? Il faut tout faire pour rentrer à la maison. Ok. Bon travail, papa. Amina, quelle est cette répartition fantôme que je vois sur le Babia? Ton commissaire envoie Monkam et Salif sur le terrain et me met une fois de plus à la sentinelle. Mais Amina, je te parle, tu ne me réponds pas. Je ne te comprends plus, Ipesaboulou. Tu deviens de plus en plus inconséquent. Amina, ne me traite plus ainsi. Quel qualificatif voudrais-tu que je te colle quand tu joues avec la carrière d'un jeune recrue qui n'attend que modèle de toi? Oh. Amina, tu traites d'inconséquent un policier qui a déjà tout donné. Moi, je n'attends plus rien. Tout c'est derrière toi, Ipé. Tu ne vas pas en rajouter. Donne-moi seulement la convocation que je t'ai demandée.
Et qui vas-tu convoquer cette fois-ci? Le bailleur de ma petite, qui devient de plus en plus insolent. Je veux lui tirer les oreilles. Quand as-tu décidé de chercher les femmes Ibe Saboulou? Ah bon? Amina, je suis un bantou. Et par essence, nous sommes des polygames. Et surtout un ressortissant de la chefferie comme moi. Que j'irais savoir une seule femme? C'est ça. Et puis quoi encore? Et si nous les femmes faisions la même chose? Ce n'est pas la concurrence. Chez nous, l'infidélité de la femme est vertement réprimée. Je dis bien vertement. Donne-moi chose et je parle. Comment la convocation là? Là, ça ne veut pas qu'il est un petit. De respect. Enlève ma veste sur toi. Enlève ça. Ouais, doucement. Non, enlève ça. Ah. Ça devient même quoi? Enlève, enlève. Je ne veux pas, enlève. Ok, laisse, il va enlever. Oh. Donne-moi. Donc, je vais commencer mes affaires, petit. Ça va déménager. Je vais manquer de respect pour une veste. Ma chose, je n'aime pas encore porter. Il veut encore prendre ça. Amina. Oui, mon commissaire. Saboulo, il n'y a aucune convocation signée. Ne me dis pas ça. Ce n'est pas de ma faute. Amina, j'en ai grandement besoin. Voici une convocation. Mais non cachetée. Ouais, Amina, fais tout pour me trouver une convocation déjà cachetée. Quand elle est comme ça, elle n'a pas de force. Dans ce cas, je vais encore chercher. Sois juste patient. Non, j'attends ma mère. Je m'en fous. Tu as de la chance, Ipe. Voilà une convocation. Merci, ma mère. Tu as droit à une. Tout à l'heure, refuge. S'il te plaît, laisse-moi rattraper. Chérie, je vois que tu n'as pas travaillé aujourd'hui.
Tout à fait. Je ne travaille pas aujourd'hui. J'ai plutôt rendez-vous avec mon ami Sabulo. Se pourrait-il que lui aussi soit de repos aujourd'hui? Ah, d'accord. Je te fais la sauce gombo. Bien sûr que si. Mais surtout avec le gibier. Non, non et non, Ekobina. Avec le poisson fumé plutôt. J'ai envie de manger la viande de brousse. Pourquoi tu n'écoutes pas les conseils, chérie? Mispa, je suis fatigué de tes foutus conseils. Dis-moi un peu, tu es médecin? Mais vraiment, est-ce que tu es médecin? Mais non, tu commences déjà à m'énerver. Soit on doit vivre ensemble. Je crois qu'on doit pouvoir se comprendre. Tu dois m'écouter quand je te parle. Eko, Benoît, on n'a pas fini. Eko! Eko, Benoît! Gonda! Non. Donne-moi le nom complet de ton bailleur. Mais pourquoi tu me fais ce coup? Donc, ne me perds pas le temps. Il s'appelle qui? Titajan. Je crois Titajan. Titajan? Oui. Va lui donner ça. Je vais me changer avant d'aller. Tu t'échanges que tu vas à un défilé de Modongonda. Va lui donner ça. Et dis-lui qu'on l'attend aujourd'hui même au commissariat. Oui, vive ou mort. 11 000, toi, de 11 000. Bon, tu me reprends tout ça en changeant de mention, d'accord? Mon central, aidez-moi. Mon central, bonjour, mon central. Bonjour, je vous madame. En prie, aidez-moi. Aidez-moi. Mon fils a été arrêté. Il est en cellule au poste de police de Nimeki. Je vous en prie, aidez-moi. Il est là-bas, ça fait 2 jours, mon central. On m'a demandé de payer 100 000 francs. Je n'ai pas d'argent. Je suis une pauvre femme, mon central. Je vous en prie. Pourquoi c'est toi qui t'es présent, madame? Son papa est où? Mon central, son père est mort dans un accident d'avion. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas reçu le corps, mon central. Il m'a laissé avec beaucoup de dettes que je continue de rembourser jusqu'aujourd'hui. Oh, mon central, Chaya, c'est mon seul enfant. Je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi. Pour quel motif l'a-t-on interpellé, madame? Le téléphone. Mon central, le téléphone. Cet enfant, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Je lui ai demandé de ne plus acheter les téléphones déjà utilisés. Il ne comprend pas. Les téléphones Android, là. Mon tonton, je vous en prie, aidez-moi. Il a acheté un téléphone? Le téléphone volé, c'est grave, madame. Mon central, mon enfant n'est pas un voleur. Bon, 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 bon. Taisez-vous, taisez-vous, madame. Je souffre, mon mari, tu m'as laissé. Vous allô, mon officier Golov. Oui, Sandra, où est l'appareil? Il y a un jeune incarcéré chez toi pour recevoir des téléphones? Chaya, Chaya, Jean-Luc, c'est bien lui, madame. C'est lui, mon central, c'est mon fils. C'est lui, mon central. D'accord. Bon, j'envoie sa maman te voir. Pour qu'on puisse voir dans quelle mesure diligenter ces dossiers, d'accord? Vous pouvez je retourner vous dis au poste, madame. Merci, Seigneur. Non, 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 non. Levez-vous, levez-vous, madame. Levez-vous, ça va, madame. Que mon Dieu vous bénisse. Ça va. Maintenant, il y avait eu précédemment un accrochage, mais les véhicules se sont déplacés sur l'entraînement. Donc, aucune entrave. Oui, j'ai pris toutes les dispositions pour que les éléments de l'unité soient jalonnés tout le long du corridor. Je suis personnellement posté au grand carrefour où tout est fluide. Rien à signaler. À vous. 40 ouest, 25 nord, voie de droite. Mon marquage. Bien reçu.
Djokumu. Tu ne réponds. Chérie, tu ne décroches jamais mes appels. Je t'attends à l'hôtel à 17h. Toi-même sais que je t'aime tellement. Je t'embrasse. Ton petit cœur. Camarade du lycée. Camarade du lycée. Excuse-moi, chérie. Je n'ai pas vu tes appels. Mais rassure-toi, je serai là à 17h. Je t'aime très fort. Mon cœur. Ok. Vous menez donc une activité illicite. Et je vais vous redresser selon la loi. Levez-vous. Levez-vous rapidement. Retirez-moi les chaussures là. Kaïda, sœur, je vous fais cette chaussure. Allez-moi les chaussures là. Envoyez-le au fond. Tu vas courir là-bas. Sabolo. 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 Combo, combo.
taximène, il attrape. T'as dit pourquoi que je ne paye pas. Tu es personnel, il te frappe. Ah mon pipa, ton dossier. Papier sans papier, il t'attrape. Oh, c'est pas important les papiers, hein. Il est la loi. Il a bu et a bu des citoyens. L'important c'est le bateau. Un policier sans scrupules. Et puis quoi encore? Un escroc de tout genre. Il va jusqu'à recruter ses propres hommes. Ah mais bien sûr. Il n'a pas peur des règlements. On s'en fout des règlements. Il est la loi. Sa loi, sa boulot.